s'arrête jamais de tourner en rond. Un vrai dingo celui-là. Bon, tant pis, on y retourne. Si une déesse comme ça passait par ici, je la mettrais à mes pieds. Hein. Ah, t'es bon qu'à te faire marcher dessus. Oui, moi c'est elle que je mettrai à genoux. J'en ferai qu'une bouchée. Vous êtes pas fatigués, les gars là? Vous laisserez les miettes si vous êtes sages. Oh non, pas celle-là. Bah si. Garde à vous! Oh, ah non, pas encore! Vous êtes dégueulasses, les gars! Quelqu'un qui est en train de parler à la girouette. Regarde à l'arrière. Vous avez déjà vu un bout de paille dans le coin, vous? Vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre père non plus ne pardonnera pas vos fautes. De la manière dont vous jugez, vous serez jugé. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Opposez les hommes entre eux, eh bien là l'œuvre du malin, mais il ne s'en contente point. Comme il a su faire douter Adam et Ève, des commandements divins, des paroles de Dieu. Alors, priez, mes enfants, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Je cherche un dénommé Luc. Mon père, c'est bien vous? Oui. J'ai entendu parler de vous. Je ne me savais pas si célèbre. Merci pour cet honneur, mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, avec beaucoup de patience. Non, bien voyez-vous, moi je ne suis pas recommandable. Et votre ménage de printemps, là, il peut bien attendre un peu, non?
J'ai toujours trouvé cet endroit bien curieux. C'est si étroit. Pour peu, on se sentirait coincé. De quel péché voulez-vous vous confesser, mon enfant ? Quel péché ? Je ne sais pas. L'abandon. Être aimé qu'à moitié, ça fait des ravages, vous savez. Ma mère, paix à son âme, a fait de son mieux, mais un père absent, ça ne pardonne pas. Votre père vous a abandonné ? Oui. Le pauvre homme, apparemment, n'avait pas de couilles. Je dois être le fruit de l'Immaculée Conception, tiens. Votre langage, mon enfant. Mérite-t-il d'autres mots, le lâche qui disparaît quand les ennuis se pointent ? Si vous voulez mon avis, certains hommes devraient faire vœu d'abstinence et s'y tenir. Il a bien eu vent de mon existence. Il n'a jamais simplement pris la peine de me rencontrer. S'il me croisait, il ne me reconnaîtrait même pas. Il ne sait même pas comment je m'appelle. C'était quelqu'un de bien, ma mère, vous savez. Elle a fait de son mieux pour protéger ceux qu'elle aime. Quitte à partir avec ses secrets dans sa tombe. Mais ce qu'elle a oublié d'enterrer avec elle, ce sont les lettres qu'elle planquait soigneusement, celles qu'elle envoyait à mon père. Retour à l'expéditeur, chaque fois, il faut croire que le type bougeait sans cesse. Il ne voulait pas qu'on le retrouve. Alors quoi ? Je devais le laisser s'en tirer comme ça ? Il était temps que je lui rappelle que j'existe bien. Au revoir, mon père. Madeleine.